C'est avant de vraiment répondre, de rentrer dans la question Caligamme, poésie visuelle, j'avais pensé réfléchir un peu à la notion d'image et comment cette notion d'image se rapporte au poème d'une manière générale, pour qu'ensuite on pense la forme du poème, la question de l'image visuelle dans le poème. J'ai donc réfléchi un peu avec Ricoeur, qui évoque quatre types d'images. Il parle des évocations des choses absentes, c'est un type d'image, l'image mentale. Les illusions, les hallucinations, c'est un autre type d'image. Les peintures, tableaux, l'image visuelle d'une manière générale, on peut y mettre les calligrammes et la poésie visuelle d'une manière générale, c'est aussi, d'une certaine manière, rentre dans les cadres de l'image visuelle. Mais Ricoeur parle d'un autre type d'image qui correspond à l'évocation des choses non seulement absentes, mais aussi inexistantes, c'est-à-dire les fictions, les images fictionnelles. Et donc, il y a deux types, les rêves et les songes, et les fictions littéraires d'une manière générale, la poésie fait partie des fictions littéraires. Et c'est pour ça que quand il s'interroge, lui, en tant que philosophe, sur la question de l'image, il va partir du rapport entre image et langage, partir de la métaphore, pour penser justement cette dimension de l'image dans la poésie, et sur les récits, pour penser donc la fiction romanesque, tous ces autres genres narratifs. La poésie peut être narrative aussi. Bon, là, il couvre un peu le champ littéraire avec récits, métaphores. Ça, c'est un point. Donc là, la question du calligramme et de la poésie visuelle, qui a certes un rapport avec les calligrammes, c'est-à-dire que les frères Camps ont traduit des calligrammes, par exemple d'Apollinaire, ils ont traduit Cummings, des textes dont la forme visuelle est importante. Mais fondamentalement, la question plus générale du comment le poème fait image et comment traduire ce que dans le poème est image, dans ce sens-là d'image fictionnelle, dans ce sens-là où la fonction poétique du langage est au premier plan, c'est-à-dire comment traduire dans un poème ce qui n'est pas contenu communicatif. Et c'est justement ça, ce qui dans le poème est considéré comme intraduisible. Donc l'adéquation, l'interconnexion entre forme, contenu, langue, tous ces réseaux comme ça, de résonance d'un poème. De ce point de vue-là, le son aussi est image. Mmh. Ce qui renvoie à ce tissu complexe qui fait que le sens du poème n'est pas simplement un contenu communicatif qu'il faudrait. Donc c'est ça les problèmes dont part Harold Camps. Et il ne se réfère pas à Ricoeur, c'est pas une référence importante pour lui. J'ai juste utilisé ça comme parce que ça donne une possibilité d'entrer dans la problématique qui est vaste. Mais il part de Walter Benjamin justement. C'est de là qu'il vient mon intérêt. Enfin, j'ai d'abord travaillé sur Walter Benjamin, ensuite je me suis intéressée par Harold Camps et Auguste Camps, son frère. Et c'était surtout Harold Camps qui écrivait théoriquement sur la traduction. Les deux ont pratiqué énormément. C'est-à-dire que c'était un mouvement d'avant-garde. Donc là, tous les projets de la poésie visuelle ou cette transition entre calligramme et poésie visuelle est complexe. Donc il y a toute une production comme ça, où la visualité du poème, et même en produisant des vidéos, en produisant aussi
Auguste Ducamps, qui est encore vivant à 80 ans, il a une page sur Instagram dans laquelle il fait des animations, des poèmes en forme d'animation, donc il y a toutes ces dimensions-là. Mais en même temps qu'il y a ces projets d'avant-garde avec cette dimension-là de l'image visuelle, ils ont été des très grands traducteurs. Ils sont, Auguste Ducamps est encore en train de traduire, impressionnant. Ils ont établi un rapport important entre leur travail de traducteur et leur travail comme créateur. C'est-à-dire que Harold Ducamps part de ce point de départ de Benjamin, de la métaphysique de la traduction de Benjamin, qui dit que l'objet de la traduction, ou l'objet du traducteur, n'est pas les contenus communicatifs de l'œuvre poétique, mais justement cet insaisissable, les mystérieux, les poétiques, dit Benjamin. Donc c'est cela que Harold Ducamps va appeler, à partir de Max Benz, l'information esthétique. C'est-à-dire qu'il s'agira, dans ce travail-là des traducteurs, de transposer ce qui est considéré comme intransposable, donc la valeur esthétique du texte, ces réseaux complexes. Et pour ça, il va penser des différentes formes de transcréation, c'est-à-dire que tout son... Oui, alors qu'est-ce que c'est ce terme de transcréation? Transcréation, parce qu'il revient beaucoup voilà, c'est ça. La transcréation, ça veut dire qu'il... il s'écarte un peu de Benjamin parce qu'il va penser la traduction, oui, donc les textes finaux, comme un autre poème qui rivalise avec les premiers, mais qui reste une traduction. C'est-à-dire qu'il va dire que la traduction est une forme littéraire, est un genre. Bien littéraire. Sûr. Pour Benjamin, ce n'est pas exactement ça. Hein. Pour Benjamin, la traduction est apparentée à la philosophie. C'est-à-dire qu'elle n'est pas vraiment une forme autonome. Elle a un rapport nécessaire avec son original. Pour Harold Ducamps, il s'agit de faire une œuvre créative dans ce travail de transposition, mais en cherchant ce qu'il appelle des isomorphismes. Ces isomorphismes sont essentiellement visuels plutôt que... Non, est-ce pas qu'il a forcément. Fait de la traduction homophonique, des choses comme ça ou... c'est de la traduction homophonique, parfois. Oui. C'est-à-dire, comme c'est un travail créatif, ça peut être plusieurs choses. Oui. C'est-à-dire, le point fondamental, c'est que dans le poème final, l'émotion esthétique, c'est-à-dire l'information esthétique qui était dans le texte d'origine, réapparaissent autrement. Dans une autre langue. Donc il y a cette dimension-là d'une... mais ça peut être l'homophonie, c'est-à-dire que si... Il s'agit d'évaluer dans le texte source des éléments, des relations importantes du point de vue de cette information esthétique pour essayer de trouver des équivalences, des isomorphismes. Ce qu'il y a d'important, et donc le sens de ce terme transcréation, est aussi l'idée que ce travail de traduction est aussi un travail de réactualisation de la tradition. Mm-hmm. Il y a une autre dimension de la chose, c'est-à-dire que c'est une manière de se faire des ancêtres à partir du présent, c'est-à-dire de créer comme ça donc, des traditions. Il pensait que les rapports au canon est toujours mobile, toujours changeant en fonction du présent et en fonction des attentes de ce présent et surtout en fonction du projet artistique de ce présent. Donc là, il y a des mouvements de reprise de cette tradition qui vont dans ce sens-là. Et c'est aussi pour ça que ces reprises sont aussi des reprises créatives, parce que le but, c'est que la tradition va réalimenter les présents et les créations du présent. L'idée centrale, c'est que les traducteurs transcréatifs, ils vont traduire le modus operandi de la fonction poétique à l'œuvre dans ce poème-là. Donc, d'une certaine manière, ils libèrent dans le poème cette image, cette idée de reconstruire une image isomorphe à l'image que le poème produit. Merci beaucoup pour cet entretien, Patricia Lavelle. Merci à vous.